Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'invocation de Milim Navar, Manifestation of the Dragon, donc la manifestation du dragon en français tout simplement. Et l'unité est assez belle, je viens de voir l'aspect, elle est très jolie. Et on va aller invoquer là-dessus de multi, du coup la multi gratuite et voilà quoi. Et 300 par-ci. Oui, je me suis permis d'invoquer parce que voilà quoi. Attendre. Du coup, il y a l'événement plus les prédateurs qui sont là maintenant et on va aller partir invoquer. On va aller partir invoquer sur ce nouveau portail qui m'a l'air intéressant. On va aller voir ce que fait ce personnage. Tout d'abord. Du coup, maintenant, on a les dates des personnages. Des sorties des nouveaux portails. Ok. Dragon Nova. Dragon Nova. Bon, ok. Du coup, on fait ça. On commence avec les tickets gratuits parce qu'on peut le drop là-dessus. Et mais avant toute chose, recrute détail drop. Alors, j'ai lu que le perso faisait des dégâts à une seule cible avec son ultime et provoque 450% de dégâts sur une seule cible. Change les âmes secrets en âme de protection divine et améliore les dégâts de 5% des protections divines. Après le reste, augmente la résistance face aux critiques de 40% pendant un tour. C'est très cheaté, c'est très fort. Et améliore son propre coup critique de 15% pendant un tour. C'est vraiment très fort, je trouve. Si on met... Attends, il précise pas le coup. Et je pense qu'on va dire entre 15 et 30, hein. Ça m'a pas l'air un truc de fou. Je pense que ça va être à 20 et ça un truc 30 ou 35. Ça pourrait être au grand max 35. Concernant les traits. Oh, pas mal. Quand on l'améliore une fois, on a une protection de jauge multipliée par 7 au début du combat. Et... disponible également quand on le met dans la formation de support, du coup dans les soutiens. Quand on l'éveille en 3 étoiles, je découvre en même temps que vous, du coup si je mets du temps à répondre c'est normal, enfin à traduire et tout. Du coup quand votre groupe a plus de 3 personnes, a plus de 3 survivants, plus de 3 combattants dans le combat, améliore la protection, la jauge de protection par 11 au début du combat. Également disponible en formation support. Seulement à partir du troisième doublon. On va dire que... Ouais, le troisième doublon, c'est ça. Du coup, on commence gentiment avec les 10 tickets. Parce que j'ai vu que sur les anciens tickets, il y en a, ils ont drop. Moi, j'ai rien drop. En espérant pouvoir que... En espérant drop... Moi-même, bon, ça commence mal déjà. Pendant un instant, j'ai cru que ça allait être un fake out, mais non. Ok, on continue. On commence avec un petit 3 étoiles. Bon. On peut skip encore. Faut qu'on provoque la chance là. Ok, allez, go. Allez, on a tout fait. On a fait tous les trucs de maraboutage. Normalement, je devrais drop sur le restant. Non, rien. Pas eu le petit skip qui s'est transformé. Voilà. Allez, on continue. Oh! Ça démarre de là? Non, dommage. Oui.
Il fait quoi? Pourquoi pas? Non, dommage. Dommage, dommage. On a un petit 4 étoiles. Encore 6 tickets. Pour le moment, vous vous rendez pas compte, mais je n'ai pas encore une seule animation de Milim contre l'Emule. Hein. L'animation, je crois qu'elle va jamais arriver sur mon compte. Hein. C'est incroyable, non? Il nous en reste plus que 4. Est-ce que je pourrais drop? Ah, oh, c'est incroyable. Pas possible, c'est pas possible. Pas possible. Un doublon sur un protecteur, mais oh là là, je joue quasiment jamais. Incroyable. Je sais pas comment vous faites pour drop sur des singles, les gars. Ok. On a fait un single. En single. Ok, bon, dans tous les cas, c'est 4 étoiles minimum. Ah. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah ouais. Oh. On continue, on va tout fumer là. Hein. Après, remarque, hein, j'ai déjà fumé ma chance sur Veldra. Je m'attends à un drop sur ce portail, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait que je drop ici, mais bon, vas-y, on continue, on sait jamais. Hein, pour la dernière single. Ouais. Pas fameux. Hein. Pas fameux tout ça, du coup. Du coup. Y'a pas un truc à farm quelque part, rapidement là? Ah oui, faut qu'on voit un autre truc. Bon, ça on l'a déjà fait. C'est ça qu'on veut voir. Eh bien. Eh bien, j'ai annulé le truc, mais bon, on s'en fout. Du coup, on va lire l'histoire maintenant. J'étais en mode auto là, en AFK farm, du coup, ça a annulé le truc. Ok, on skip. On va faire deux combats. Histoire 2. Histoire 2. Ah oui, vu que c'est... Ouais, ok. Ok. On verra les autres niveaux de difficulté. On l'a. Ok, ça c'est bien. Ça c'est cool. Next. D'ailleurs, on utilise combien? 5, c'est ça? 130k, ok.
Alors, si je vais pouvoir compléter entièrement, là, ça fait un peu longtemps que je stagne en termes de puissance. Et vu que j'ai pas du tout envie de me casser la tête pour un certain truc, pour les conquêtes, j'attends juste une unité 5 étoiles qui peut stun enfin qui a un bon taux de stun, de chance de stun. Déjà, oh, c'est un peu débile de l'utiliser de... Enfin maintenant, le bot parfois il fait un peu nimp. Hein. Ok, on a de quoi partir invoquer maintenant, vu qu'on a fait la découverte de son event. On va faire juste une dernière petite multi. On va aller également récupérer l'émission. C'est gratuit, on aime. Si nous donne de la stamina, allez, peut-être pour pas une chance, jamais. Et non, ah, c'est malheureux. Bon, on va commencer à économiser là. On va arrêter de jouer avec le feu. J'ai quasiment plus rien. Et en plus, je commence à galérer un peu dans mon histoire. Faut que je continue à monter mes équipements et à les assembler, etc., etc. Petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera plaisir pour les nouveaux arrivants. Sur ce, peace et prenez bien soin de vous tout le monde. Ciao!